Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2. On est sur le mode Showcase. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une sorte de documentaire sur Daniel Bryan où il va nous raconter sa vie, les combats qu'il a pu faire importants de sa carrière, et en même temps, on va aller jouer et on va devoir faire des choses, taper dans ce sens-là, faire une prise comme ceci, comme cela, pour un peu retranscrire ce qui s'était passé à l'époque. On a fait l'épisode 1, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. C'était contre John Cena à Velocity le 8 février 2003. Et pour ce deuxième épisode, nous allons être en compagnie du Miz, qui sera notre manager, contre Chris Jericho à NXT le 23 février 2010. Alors, je tiens juste à vous préciser une petite chose. Je me suis fait mal au pouce. Je vous mettrai une photo maintenant, voilà. Et en fait, ça va être compliqué pour moi d'appuyer sur les touches carré et croix. Donc s'il y a des fois où je me loupe, je m'excuse. Hein, parce que voilà, je me dis, si je vous fais pas de vidéo, bah, vous allez être un petit peu... énervé contre moi, parce que voilà, vous aimez pas trop les absences, mais voilà, j'ai un peu mal au doigt, j'ai même beaucoup mal au doigt, mais ça me permet de quand même faire les vidéos, parce que j'aime faire ça, et j'aime vous faire plaisir, donc si vous voulez me faire plaisir, bah, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis, allez, on est parti, et vous me direz en commentaire si vous avez préféré l'épisode 1 contre John Cena, ou l'épisode contre Chris Jericho. A lot of guys would have parlayed competitive matches on Heat and Velocity into being signed full-time to WWE, but that's not how things turned out. It's like my wife Brie likes to say, if anything was easy for me, I wouldn't be Daniel Bryan. But before I could become Daniel Bryan, I was Bryan Danielson. And as Bryan Danielson, I went on quite the run through the indies. Over the course of 7 years, I won my first world championship and had some amazing matches against guys who went on to become major WWE superstars. Guys like Seth Rollins, Cesaro, all sorts of guys all over the place. A lot of hardcore fans even say these were some of the best matches of my career. Personally, I credit these matches and opponents for helping me build the foundation I would later need to make it as a WWE superstar. Fans on the indie scene weren't the only ones who took notice, because in 2010, WWE re-signed me and Daniel Bryan was officially born. My name is Daniel Bryan. I've been wrestling all over the world, and finally, finally, I have an opportunity here in the WWE. Although much like childbirth, as I've heard from my wife, this was also a somewhat painful experience. I came back as part of NXT, which wasn't like the NXT that you know and love today. At the time, NXT was a reality show with rookies and pro mentors. Unfortunately, my pro was The Miz. People say that you're great, that you're a star, that you're ready for the WWE. You think you're ready? Yes, yes I do. Well, one thing you have to learn about the WWE is you have to expect anything. I guess The Miz is mind beating a little bit of respect into his NXT rookie. Believe it or not, we didn't get along very well back then either. I think the most ridiculous thing we had to do in NXT was the obstacle course. Okay, so you're gonna do the monkey bars. Then we go in the ring and juggle. Juggle. Then you're gonna see how fast you can drink soda. Side note, it was actually supposed to be a hot dog eating contest. When they realized I was vegan and they didn't have any vegan hot dogs, they turned it into a soda drinking contest. I didn't know vegans could drink soda. Not drink at all. I hadn't drank any soda in years. Think, watching that on TV, a grown man just drinking soda from a cup. That's it. Despite that, I did have the tremendous opportunity to show the WWE Universe what I was capable of when I got to face the World Heavyweight Champion, Chris Jericho. I loved watching Chris Jericho from the time I was in high school, the stuff that he did in WCW, being able to go against the World Champion on NXT on the first show. Win, lose, or draw, that elevates you. And I was very thankful for that opportunity. Le combat commence, les petits loups. Alors, je vais vous donner un petit défi. Pour commencer, le premier défi, c'est franchement, généralement, j'aime bien regarder les commentaires, les likes, etc. vers 2-3 heures du matin. Là, à l'heure où je vous parle, l'épisode 1 est sorti, et il y a 376 likes. Ça veut dire que pour cet épisode-là, franchement, si vous voulez me faire plaisir, je vous mettrai pas de coup de tête, mais si on peut faire 400 likes à 3h du matin ou 2h du matin quand je regarderai pour l'épisode numéro 2, ça voudrait dire que vous aimez vraiment cette série, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Voilà. Je compte sur vous par rapport à ça. Je vous dis rien de plus.
ça me ferait vraiment beaucoup beaucoup plaisir. Parce que moi, c'est la seule chose que je vous demande, hein, des likes et des fois, voilà, qu'on parle un petit peu en commentaire. Alors attendez, un coup en course. Je vous là, j'ai beaucoup contré. Ce qui est intéressant, c'est que là, attention. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Voilà. Et en plus, ce qui est très bien, c'est qu'il peut pas, il peut plus contrer que Jericho. Du coup, on va en profiter un petit peu. Et pour ceux qui demandent le mode univers, vous inquiétez pas, ça arrive. C'est juste que le mode univers, ce sera pas des vidéos de 10 minutes comme celle-ci. Ce sera des longues vidéos, au moins 30 minutes. Un flux de gaz sur le ring, ok. Ce sera des longues vidéos, les petits loups. Donc, je sais bien que vous aimez ça, les longues vidéos. Et comme j'ai vraiment mal au doigt, je préfère attendre. Ça va arriver ce week-end, je pense. Vous aurez l'épisode 1 ce week-end. Je sais que j'avais dit plus tôt. Hein, je sais que pas mal de personnes diront, mais Nasa, t'avais dit... Je sais bien, je sais ce que j'ai dit, vous inquiétez pas. Mais il y a un moment... Voilà, j'ai pas trop envie de me faire mal au doigt. J'ai vraiment mal de ça quand j'appuie, en fait. Je voudrais bien vous soulever, je pourrais vous raconter la prochaine fois, si vous êtes intéressé par ça, comment je me suis fait mal à ce point-là. Je pourrais vous en faire... durant l'épisode 3, pourquoi pas, hein, qui sera vendredi, peut-être, ou samedi, je suis pour les quelques jours. Je vous ferai une petite vidéo qui vous expliquera le comment du pourquoi. Pour l'instant, ça se déroule bien. Il nous contre, mais... En fait, on le... Bah voilà, hey, j'ai réussi à faire la chose sans même avoir vu qu'est-ce qu'il fallait faire. Effectuer un coup en course sur Chris Jericho, ok. En fait, il faut qu'il soit debout. Nous, on court, on prend appui. Voilà. Bon, c'était pas très fluide, mais le principal, c'est d'avoir réussi. Couvrez Chris Jericho pour le tomber. Bon, voilà. Allez, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Attention. Un. Ok, simplement un. Serait-il aussi le perfect one? Attendez. Hop, la petite prise par derrière. Ça passe toujours bien. Effectuer un coup puissant devant Chris Jericho sur le ring. Attendez, hey, ça on connaît. On fera pas le coup de tête cette fois-ci. Voilà. Ouh! There's no way that Jericho's gonna lose to this guy. Yeah, but the way this match is going, it's a real possibility. Jericho, though, needs a breather and he rolls out of the ring to try to do that. Wise maneuver from a wily veteran. I'm not sure if Jericho's gonna get much rest time. What is this guy doing? Daniel Bryan! Suicide dive right off the announce desk. Like Brian might have bounced off the announce desk himself. I don't think Miz liked the fact that Brian threw his body in harm's way, and I can't say I blame him. What's this guy thinking? Despite all of this, quoi pensait-il? Je sais pas. Effectue attaque et gros mot sur le tablier. Ok, attendez. D'abord, le petit coup spécial qui m'a été contré. Je vais Chris. Mais ce qui est aussi drôle, c'est de voir que Daniel Bryan avait une marque sur le corps, vu qu'il s'est pris la table des commentateurs. Après, ce mode-là, il est extrêmement bien fait. Un vrai documentaire et tout, on kiffe. Mais de voir Corey Graves, etc., commenter... Bah, s'ils avaient vraiment voulu faire les choses bien, ils auraient pris les commentaires de ceux qui étaient là à l'époque. Mais bon, après, ça devait pas être aussi simple. En fait, avec mon doigt, vu que c'est avec mon stick, j'ai du mal à le mettre tout droit. Attendez, effectuer une attaque avec rebond. Ok, en fait, il faut se mettre ici. J'adore faire ça. Guys, you're getting ahead of yourself. Oh, yeah. Be some sort of mirror. Oh, boy. See, I told you. Oh, boy. This one's over now. Roll him into the walls of Jericho. Tap him out, Chris. Ryan's trying to fight it. Rolls through. What a counter by the technician, Dan. Oh, my God. Heel hook is in. Jericho's in trouble. Jericho trying it. Is he going to tap? Is he going to tap? He may have no choice. He made it to the bottom rope. You've got to be impressed, Michael, from what we're seeing from Daniel Bryan. Did he win yet, Byron? Daniel Bryan thinks he... Oh, mood breaker! You can't allow a veteran like Jericho any time to recover. You're right, Corey. That was a rookie move. And now he's going to pay for it, Byron. That very well may be the case, Michael. This loser's going to lose again. Lion Tamer. Can Brian hold on? Tap out, nerd! You got your wish, Cole. Daniel Bryan fought valiantly, but just couldn't hang with the champ. Yeah, this time, experience was just too much for Daniel Bryan. And listen, Miz has got to be so disappointed, and I don't blame him. Luck of the draw, Miz got this loser to be his protege, and now Miz, a little bit of tough love here. Whoa, tough love? Give me a break. Tough love. This is ridiculous. Miz is obviously frustrated with his star pupil. Oh, yeah, so you're frustrated, so that's okay. Now you can beat him up? Yeah, start winning some matches, then you won't get beat up anymore. Miz, ridiculous. What disrespect thing? Huh? I'm a champion. Miz has lost his mind.
lying on his back, looking at the lights again. D'accord, pourquoi pas. Alors, s'il y a une morale à retenir de cet épisode numéro 2 contre Chris Jericho, c'est ne perdez pas de temps face à un champion, ne vous laissez pas avoir, toujours être attentif, ne jamais perdre sa concentration. Cet épisode était plutôt intéressant, j'ai bien apprécié, mais pour l'instant, dans ce mode showcase, nous avons 2 défaites et 0 victoire. Première défaite contre John Cena, deuxième contre Chris Jericho. Là, le prochain, ce sera pour le titre des États-Unis en 2010, le 19 septembre, pour Night of Champions contre le Miz, justement. Alors là, ça promet d'être beau. Alors pour vous le dire sincèrement, je sais plus vraiment, j'ai dû regarder ça à l'époque, hein, mais je me souviens plus qui a gagné, qui a perdu. Du coup, je découvre avec vous, avec son documentaire et avec le combat. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir de vous présenter tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, encore le petit like qui me ferait extrêmement plaisir. De me dire ce que vous en pensez, si vous avez préféré le match de John Cena ou de Chris Jericho. Voilà, mon téléphone, il a préféré les deux. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!